Bonjour. Dans les précédentes vidéos, nous avions vu que le climat présente une variabilité naturelle, c'est-à-dire que les différents paramètres climatiques ont varié de façon naturelle au cours du temps, et c'est le cas notamment de la température globale de la planète. Cependant, le changement climatique que nous observons actuellement, le réchauffement du climat, est exceptionnel de par son intensité, mais surtout de par sa rapidité. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer les causes du changement climatique actuel, et pour cela, nous allons parler du mécanisme d'effet de serre. L'effet de serre est un mécanisme qui est lié aux gaz à effet de serre, comme par exemple le dioxyde de carbone, CO2. Le CO2, on peut évaluer sa proportion dans l'atmosphère en ppm. Les ppm, c'est une unité qui signifie partie par million. Par exemple, 1 ppm signifie une molécule de CO2, par exemple, parmi 1 million de molécules au total sur l'atmosphère. Donc 1 ppm de CO2 signifie une molécule de CO2 pour 1 million de molécules dans l'atmosphère. Et si on regarde cette proportion de dioxyde de carbone atmosphérique au cours du temps, il y a 10 000 ans, la proportion de CO2 atmosphérique était de 280 ppm. Et cette proportion, elle est restée relativement stable pendant très longtemps. Entre moins 10 000 ans et jusqu'à la révolution industrielle, on est resté autour d'une proportion de CO2 dans l'atmosphère autour de 280 ppm. En 1950, la proportion de CO2 atmosphérique a atteint 300 ppm. Et en 2017, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui, on a atteint 412 ppm. Ce qu'on observe, c'est que cette proportion de CO2, elle est restée pendant très longtemps stable, autour d'une valeur de 280 ppm, et que très rapidement, à partir de la révolution industrielle, mais surtout au cours du XXe siècle, la proportion de CO2 atmosphérique a énormément augmenté de façon très rapide, passant donc de 280 ppm, sa valeur relativement stable, à une valeur de 412 ppm. Donc on a assisté très récemment à une augmentation très rapide et très importante de la proportion de CO2 dans l'atmosphère. Et le CO2 est un gaz à effet de serre, et cette augmentation de la proportion de CO2 dans l'atmosphère a eu un impact nécessairement sur le mécanisme d'effet de serre, et c'est cet impact qui est responsable du réchauffement climatique actuel. Donc afin d'expliquer le rôle de ce dioxyde de carbone et des gaz à effet de serre de façon plus générale sur le réchauffement climatique actuel, je vais vous parler du bilan radiatif de la Terre. Le bilan radiatif de la Terre, c'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière en première enseignement scientifique, mais qu'il est nécessaire de reprendre, de réexpliquer une nouvelle fois, afin de comprendre l'impact des activités humaines qui sont à l'origine de cette élévation de la proportion de CO2 atmosphérique sur le climat et donc sur le réchauffement climatique actuel. Alors, expliquons le bilan radiatif de la Terre une nouvelle fois. Alors, pour présenter le bilan radiatif de la Terre, je vais représenter la surface de la Terre et le sommet de l'atmosphère. Le bilan radiatif, c'est le bilan des puissances énergétiques qui arrivent à la surface et qui partent de la Terre. Et donc, parmi ces puissances, on peut citer l'énergie solaire incidente, donc l'énergie qui nous est envoyée par le Soleil, qui arrive au sommet de l'atmosphère. Cette puissance solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère, il y en a une partie qui va être directement renvoyée vers l'espace, réfléchie, diffusée vers l'espace, notamment par les surfaces réfléchissantes qui sont présentes dans l'atmosphère, les nuages par exemple, de par leur couleur claire, vont renvoyer une partie de l'énergie lumineuse, et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'albédo. Une partie de cette puissance solaire va également être absorbée par l'atmosphère, et en étant absorbée par l'atmosphère, cela va réchauffer l'atmosphère. Une autre partie va être transmise jusqu'à la surface de la Terre, et en arrivant à la surface de la Terre, cette puissance solaire peut être également à nouveau réfléchie ou diffusée vers l'espace. Donc c'est encore une fois l'albédo, et cette fois-ci, les surfaces qui réfléchissent la lumière à la surface de la Terre, ce sont notamment les glaces, que l'on retrouve notamment au niveau des calottes polaires, au niveau des pôles donc, qui renvoient une partie de l'énergie lumineuse. Le reste de cette énergie, celle qui n'est ni absorbée par l'atmosphère, ni renvoyée vers l'espace, le reste de cette énergie solaire, c'est l'énergie solaire incidente, et elle participe à réchauffer la surface de la planète. En réchauffant la surface de la planète, elle va notamment réchauffer les océans, et en chauffant les océans, l'eau peut passer de l'état liquide à l'état gazeux, et ces différents changements d'état vont être responsables d'une émission d'énergie de l'océan vers l'atmosphère. Cette émission d'énergie de l'océan vers l'atmosphère, on n'en reparlera pas dans cette vidéo, et il n'est pas nécessaire que vous vous en souveniez particulièrement pour expliquer le changement climatique actuel.
Donc, reprenons, la surface de la planète est réchauffée directement par le Soleil, par cette énergie incidente qui réchauffe la surface de la planète. La planète, étant chauffée, va émettre des infrarouges. En effet, plus un corps est chaud, plus il émet d'infrarouges. Les infrarouges sont des ondes électromagnétiques d'une certaine longueur d'onde, celle des infrarouges. Et donc, comme la surface de la planète est chauffée, et comme elle est chaude, elle émet des infrarouges dans toutes les directions de l'espace, mais notamment de la surface de la Terre vers l'extérieur. Et donc, la planète va émettre des infrarouges. Une toute petite partie de ces infrarouges n'est pas absorbée par l'atmosphère. Certaines longueurs d'onde ne sont pas absorbées. C'est la minorité des infrarouges qui ne sont pas absorbés par l'atmosphère. Et comme ils ne sont pas absorbés par l'atmosphère, ces infrarouges qui sont émis par la surface de la Terre vont directement s'échapper vers l'espace, être perdus. C'est ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. Mais mis à part cette exception, cette fenêtre atmosphérique, l'ensemble, le reste des infrarouges va être entièrement absorbé par l'atmosphère. Qu'est-ce qui absorbe ces infrarouges? Eh bien, ce sont les gaz à effet de serre, c'est leur propriété. Les gaz à effet de serre ont la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge. Alors, ces gaz à effet de serre, je vais les représenter, ils sont présents dans l'atmosphère, et on peut les représenter sous forme d'une couche, qu'on va, du coup, symboliser ainsi. Cette couche représente les gaz à effet de serre, que je fais comme abréviation GES, comme gaz effet de serre. C'est une abréviation qu'on utilise couramment. Les gaz à effet de serre ont la propriété d'absorber les infrarouges. Or, ces gaz, lorsqu'ils absorbent les infrarouges, ça va les réchauffer. Et comme on l'a dit précédemment, tout corps chauffé émet des infrarouges. Donc les gaz à effet de serre, en absorbant ces infrarouges qui proviennent de la surface terrestre, vont à leur tour, en étant chauffés, émettre des infrarouges. Donc les infrarouges absorbés par les gaz à effet de serre vont être responsables donc d'un réchauffement de ces gaz, et ces gaz vont à leur tour émettre des infrarouges dans toutes les directions de l'espace. Une partie de ces infrarouges va être émise dans l'atmosphère pour être absorbée à nouveau par d'autres gaz à effet de serre qui, à leur tour étant chauffés, vont émettre à leur tour des infrarouges, etc., etc. Et ces gaz à effet de serre présents ici au sommet de cette couche, eux, en émettant des infrarouges à leur tour dans toutes les directions de l'espace, vont en émettre une petite proportion vers le haut, donc vers l'espace, et c'est une partie de l'énergie qui va être perdue par la planète. Donc, mis à part ces infrarouges qui sont renvoyés vers l'espace par les gaz à effet de serre situés au sommet de cette couche, le reste des infrarouges réchauffe l'atmosphère, réchauffe les autres gaz à effet de serre environnants qui à leur tour émettent des infrarouges dans toutes les directions de l'espace, etc. Dans toutes les directions de l'espace, et donc notamment vers la surface de la Terre. Donc on a les gaz à effet de serre qui ont absorbé les infrarouges qui provenaient de la surface de la Terre, qui à leur tour, en étant chauffés, ont émis des infrarouges, et une partie de ces infrarouges sont redirigés vers la surface de la Terre, et donc réchauffent en retour la surface de la Terre. Donc si on regarde ce bilan radiatif, on a une planète qui est à l'équilibre radiatif, avec autant de puissance, j'ai pas remis les valeurs, mais on les avait vues en première, autant de puissance incidente, c'est-à-dire de puissance qui arrive pour réchauffer la surface de la planète, notamment l'énergie solaire, mais également le rayonnement infrarouge qui provient de l'atmosphère, qui réchauffe la planète. Ça, ce sont des flèches qui arrivent à la surface et qui participent à chauffer la planète. Mais on a également des flèches qui partent et qui signifient donc une perte de puissance pour la planète, notamment la fenêtre atmosphérique, les infrarouges émis par le sommet de la couche des gaz à effet de serre, et également le rayonnement solaire qui est réfléchi et diffusé vers l'espace par le phénomène d'albédo. Ça, c'est le bilan radiatif. Et ce bilan radiatif, il tend toujours vers un équilibre, et pendant de très nombreuses années, de siècles et des millénaires, on était à un équilibre radiatif. Sauf que l'homme, de par ses activités, a perturbé cet équilibre. Pourquoi ? Puisque les activités humaines, comme la combustion des roches carbonées, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, ou encore la fabrication de ciment, ou les changements d'utilisation des terres, comme notamment le développement de l'agriculture, ont été à l'origine d'une libération de carbone, principalement sous forme de CO2, le dioxyde de carbone, mais d'autres gaz, notamment comme le CH4, le méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Et donc les activités humaines, en libérant des gaz à effet de serre, ont augmenté la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qu'on avait vu en tout début de vidéo. On a vu que, très rapidement, depuis un siècle, on est passé de 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère à 412 ppm en 2017, donc une augmentation importante et rapide de la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, si je représente la situation actuelle, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où la quantité de gaz à effet de serre est plus importante. Donc, on va avoir une épaisseur occupée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère plus grande,
puisque comme on a plus de gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre occupent une hauteur dans l'atmosphère plus importante, puisqu'on en a plus, ils s'étalent sur davantage de surface dans l'atmosphère. Et comme on a plus de gaz à effet de serre, on va avoir un changement du mécanisme de l'effet de serre. Ce changement du mécanisme de l'effet de serre, il est un peu compliqué à expliquer, mais on va essayer de le comprendre aujourd'hui. On avait dit que, tout à l'heure, dans notre situation à l'équilibre, c'était le sommet de cette couche de gaz à effet de serre qui émettait une partie de son rayonnement infrarouge vers l'espace. Or, il existe une relation entre l'altitude dans l'atmosphère et la température des molécules présentes dans cette atmosphère. Plus on est situé en hauteur dans l'atmosphère, plus il fait froid. Or, nous avons dit tout à l'heure que un corps qui est chaud émet des infrarouges. Donc, plus un corps est chaud, plus il émet d'infrarouges. Plus un corps est froid, moins il émet d'infrarouges. Tout à l'heure, les gaz à effet de serre qui étaient situés au sommet de cette couche émettaient des infrarouges dans toutes les directions de l'espace, et notamment une partie qui était perdue vers l'extérieur, donc vers l'espace. Mais maintenant, la couche occupée par les gaz à effet de serre est plus importante, puisqu'on a davantage de gaz à effet de serre du fait des activités humaines. Ce qui fait que l'altitude maximale occupée par ces gaz à effet de serre, elle est ici maintenant, elle est plus haute dans l'atmosphère que tout à l'heure. Or, nous avons dit que plus on est situé en hauteur dans l'atmosphère, plus il fait froid. Donc ces gaz à effet de serre ici, ils sont plus froids que ceux qui étaient au sommet tout à l'heure de la couche précédente, celle qui était plus fine, qui était davantage chaud puisque plus bas dans l'atmosphère. Donc le sommet de cette couche occupée par les gaz à effet de serre étant situé plus haut, on se retrouve avec des gaz à effet de serre qui sont plus froids. Et comme ils sont plus froids, ils émettent moins d'infrarouges, puisque je vous le rappelle, plus un corps est chaud, plus il émet d'infrarouges, moins un corps est chaud, moins il émet d'infrarouges. Donc ces gaz à effet de serre, comme ils sont situés plus haut dans l'atmosphère, ils sont plus froids, et donc ils émettent moins d'infrarouges. Donc on va avoir moins d'infrarouges envoyés vers l'espace, une quantité moins importante. Donc moins d'infrarouges envoyés vers l'espace, ce qui fait qu'il en reste davantage dans l'atmosphère. Ça veut dire que la majorité des infrarouges qui avaient réchauffé l'atmosphère, l'atmosphère en étant chauffée émettait à son tour des infrarouges, on a moins d'infrarouges qui sont perdus vers l'espace, et si on a moins d'infrarouges perdus vers l'espace, on a davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère. Donc la surface de la Terre en émettant des infrarouges réchauffe l'atmosphère, les gaz à effet de serre absorbent ces infrarouges, ça réchauffe l'atmosphère, et ils vont à leur tour, en étant chauffés, émettre des infrarouges dans toutes les directions de l'espace. On a moins d'infrarouges qui s'échappent vers l'espace, donc davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère, et comme on a davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère, l'atmosphère est davantage chauffée et émet encore plus d'infrarouges, et notamment émet plus d'infrarouges vers la surface de la planète. Donc on a davantage d'infrarouges qui reviennent à la surface de la Terre, et comme ces infrarouges sont responsables d'un réchauffement de la surface, comme on en a davantage qui arrivent à la surface de la Terre est chauffée davantage. Donc la surface de la Terre, c'est des océans et c'est des continents, donc on va avoir davantage d'énergie absorbée par les océans, ça va réchauffer davantage les océans, davantage d'énergie absorbée par les continents, ça va réchauffer davantage les continents. Et donc parce qu'on a davantage d'infrarouges qui arrivent à la surface de la Terre, le mécanisme d'effet de serre est amplifié, ce qui réchauffe encore plus la surface de la Terre, et surtout ce qui crée un déséquilibre de ce bilan radiatif. On avait dit tout à l'heure que le bilan était à l'équilibre. Cette augmentation de la proportion de gaz à effet de serre vient perturber l'équilibre, puisqu'on a cette fois-ci moins d'infrarouges qui s'échappent, et plus d'infrarouges qui arrivent à la surface, et ce déséquilibre radiatif, c'est lui qui est responsable du changement climatique actuel, avec une élévation de la température des océans et une élévation de la température des continents. Donc, pour conclure, les activités humaines, la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, la fabrication de ciment, ou encore les changements d'utilisation des terres, en étant responsables d'une augmentation de la proportion de gaz à effet de serre, ont augmenté l'épaisseur de cette couche représentée par les gaz à effet de serre. Par conséquent, l'altitude maximale à laquelle sont situés ces gaz à effet de serre est plus haute dans l'atmosphère. Comme elle est plus haute, elle est plus froide,
Comme elle est plus froide, elle émet moins d'infrarouges, donc moins d'infrarouges sont perdus vers l'espace. Comme moins d'infrarouges sont perdus vers l'espace, davantage d'infrarouges sont absorbés par l'atmosphère. Comme davantage d'infrarouges sont absorbés par l'atmosphère, l'atmosphère chauffe encore plus. Comme elle chauffe encore plus, elle émet encore plus d'infrarouges, notamment d'infrarouges vers la surface de la Terre. Et donc la Terre va absorber plus d'infrarouges que lorsque le bilan radiatif était à l'équilibre. En absorbant plus d'infrarouges, la surface de la Terre, que ce soit les océans ou les continents, va être chauffée davantage. C'est ça que l'on appelle le déséquilibre radiatif. On a davantage d'énergie qui arrive et moins d'énergie qui repart que lorsqu'on était à l'équilibre radiatif. Et ce déséquilibre radiatif est responsable du changement climatique que l'on observe actuellement. On a donc bien un lien de causalité entre les activités humaines qui libèrent des gaz à effet de serre et l'intensification du mécanisme d'effet de serre qui est responsable du changement climatique actuel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.